c'est top de représenter le club comme ça. Et puis en plus, comme d'habitude, on fait la planche à voile, c'est marrant toujours de voir des planchistes arriver sur un habitat comme ça. Bah, au début, on était un peu perdus. Enfin, rien que sur le fait de l'envoyer du spi et tout ça, c'était un peu compliqué. Mais le fait de parler de bateau, ça permettait d'être moins encombré aussi et de pas avoir tout le souci de mise à l'eau. Ou... C'est sûr que c'est moins facile à transporter qu'une planche à voile, quoi. On a l'habitude de venir à La Rochelle. On habite juste à Conay, on connaît bien le planteau. Souvent, on navigue depuis notre enfance ensemble, donc c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps. On fait partie d'une unité, d'un club, et c'est courir pour notre club, quoi. On a fait un périple un peu sympa, on est parti hier matin de Dunkerque. On est arrivé vers 16h30-17h et on a eu l'opportunité de participer à l'entraînement qui a été bien organisé par le club. 18 équipages sur l'eau, c'est déjà super pour régater. C'est des courses de format réduite, donc on est vraiment, il y a du contact, c'est sportif. Le plan d'eau ici est magnifique. L'organisation à Brest était top et ici à La Rochelle, elle l'est aussi. Donc enfin voilà, c'est vraiment l'idéal pour naviguer en bonne compagnie. C'est top de pouvoir venir juste avec un camion, nos sacs de voile et puis de partir à 6h du matin de Marseille et d'être à 15h en train de s'entraîner sur un bateau préparé, c'était nickel. Le fait qu'il y ait des bateaux qui soient mis à dispo, qui soient des bateaux très simples d'utilisation, évidemment ça permet qu'on soit là. Je suis pas sûre que sinon on monte à Brest avec un bateau, quoi.